Bonjour, ici Nicolas Bourdon, enseignant de français. Je suis présentement dans le studio d'enregistrement du Collège de Bois-de-Boulogne. La session dernière, les étudiants du cours d'art oratoire ont prononcé des discours sur trois sujets d'actualité différents: la Charte des valeurs, l'indexation des droits de scolarité et le projet de loi 14. Le projet de loi 14, présenté par le gouvernement du Parti québécois à l'Assemblée nationale, proposait de renforcer la loi 101, notamment en étendant les dispositions de la loi 101 au niveau collégial et en francisant les entreprises de 26 à 49 employés. La mesure qui proposait d'étendre la loi 101 au niveau collégial a pourtant été abandonnée par le gouvernement du Parti québécois minoritaire. Mais nous avons fait comme si cette mesure était toujours présente dans le projet de loi pour le plaisir de débattre et puisque nous sommes au Cégep. En février 2013, le gouvernement du Parti québécois décrétait une hausse de 3 % des frais de scolarité, une indexation des frais de scolarité de 3 % qui s'est traduite par une augmentation de 70 $ par année pour les étudiants. Dans le débat que nous avons fait en classe, nous avons opposé des partisans de l'indexation des droits de scolarité et des partisans de la gratuité scolaire. Enfin, le dernier débat portait sur un sujet qui se passe de présentation, la Charte des valeurs. Dans le cadre du projet J'aime ma langue, 6 étudiants du cours d'art oratoire ont bien voulu partager leur discours avec vous. Il est à noter que leur discours ne représente toutefois pas nécessairement leur opinion personnelle, car le sujet du débat et l'opinion qu'ils devaient défendre leur étaient imposés. J'aimerais remercier grandement Marie-Christine Letourneau pour son aide précieuse dans ce projet, et je vous invite à regarder les performances rhétoriques des étudiants.